Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Age of Z, AOZ. Les amis, aujourd'hui, question très simple, vous le savez, mais le but de l'hôtel de ville est d'être monté assez rapidement au niveau 20. On va voir si, avec le stock que j'ai en pièces, on peut y arriver dans cette vidéo, les amis, et surtout combien ça nous coûte. Mais avant cela, les amis, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le deuxième lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, les amis. N'hésitez pas, le premier lien pour télécharger le jeu avec mon code REDEEM. N'hésitez pas, les amis, ça fait toujours plaisir. Donc regardons à présent mon hôtel de ville. Ça fait pas mal de temps que je galère pour le monter. Vous le saviez si vous avez vu les anciennes vidéos. Si vous avez raté, précipitez-vous dessus, les amis. C'est la galère en termes de ressources. Certains d'entre vous me disaient même « Va piller les villes autour de toi » puisque j'ai quelques petites villes autour de moi. Mais le problème des petites villes autour de moi, c'est que moi, je ne suis pas très puissant. Et en plus, elles ne sont pas puissantes et elles sont assez faibles en ressources. Donc, c'est compliqué d'aller les piller. Et puis, j'aime pas trop piller comme ça au début du jeu. C'est des choses qu'on fera après quand j'aurai plus de niveaux pour pouvoir piller les gros niveaux. Il me dit « Troupe en attente ». Qui est en attente? Personne. Est en attente peut-être la recherche, on va continuer le développement, hop, le carburant et on continue. Donc regardons donc mon hall principal, il est actuellement niveau 18 comme vous le voyez et le premier but, le premier palier se fait au niveau 20 pour débloquer davantage l'accès à toutes les ressources et le niveau maximum. Et actuellement le niveau 38, on en est très très loin les amis, ça va vraiment être très long. On regarde en stock AOZ, je me suis constitué un petit stock. J'ai 32 000 pièces AOZ. Alors 32 000 pièces AOZ, c'est pas rien, c'est tout de même plus de 300 euros, hein, puisqu'on voit pour 10 000 pièces, c'est 100 euros sur iDevice. Hein. Je suis iDevice, je suis sur iPad Pro, je vous le rappelle. Si vous êtes sur Android, les prix sont peut-être différents. D'ailleurs, si vous êtes sur Android ou sur émulateur BlueStack qui émule un Android, n'hésitez pas à mettre en commentaire le prix de 100 pièces AOZ. Je suis curieux de 100 pièces, de 10 000 pièces AOZ, qu'est-ce que je raconte? Voir si c'est 100 euros aussi, si c'est exactement le prix, ou si c'est moins cher. Je serais curieux de le voir. En tout cas, le prix sur Android, je ne l'ai jamais vu. Je ramasse mes petits cadeaux au passage. Voilà, on y retourne. Donc la question est, qu'est-ce qu'il me faut pour monter? Est-ce qu'en claquant de l'or, j'ai un tout petit stock en or, hein. J'ai que 20 000 en or. Est-ce que ça peut me permettre d'arriver au niveau 20 rapidement? Alors on va le voir déjà. Il faut que j'améliore l'entrepôt au niveau suffisant, donc à savoir le niveau 18. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais l'améliorer d'abord avec mes accélérateurs. Donc on va voir si je peux y arriver, tac, combien j'en ai. Sachant que j'ai une progression standard, hein. Donc si vous êtes au niveau 18, vous pouvez même avoir plus de ressources que moi en stock. Et voyez, là j'ai même pas assez d'accélérateurs. Il va falloir que je claque en or. Donc on est sur un entrepôt niveau 16, je passe le niveau 17, 100% en or. Et le niveau 18, 100% en or à présent, je suis au niveau maximum. À présent, je peux donc améliorer mon hôtel, mon hall principal, j'ai l'habitude de dire hôtel de ville, au niveau suffisant, à savoir 66 000 si je veux l'upgrader tout de suite. On va voir si j'ai du stock. Hop là, il me dit impossible de satisfaire les conditions, c'est pas grave, prends tout ce que j'ai. Impossible de satisfaire les conditions, c'est pas grave, prends tout ce que j'ai. Et impossible de satisfaire les conditions, c'est pas grave, prends tout ce que j'ai. Maintenant, on est tombé à 46 000 d'or, mais quand même 46 000 d'or. Donc, il y a deux questions qui se posent là, quand on en... enfin qu'une seule. Est-ce qu'il est plus rentable, un choix à faire, d'acheter ce qui me manque en nourriture, puis après de lancer l'amélioration et de claquer ce qui reste en or, ou d'acheter directement de l'or, tout ça bien évidemment avec mes pièces AOZ. On va le voir tout de suite, on va regarder les différents bundles qu'on a déjà bien étudiés. Si je veux de l'or... pour aller, imaginons, je mets 10 000 pièces AOZ, je n'ai que 15 000 d'or. Là, il m'en faut 46 000, même si on est déjà en stock. Donc, il faudrait que je pose 4 packs. Donc, il faudrait que je pose 4 packs, c'est 100 euros pour, si je ne dis pas de bêtises, c'est 100 euros pour 10 000 pièces. Donc, il faudrait que j'en pose 3 packs. Donc, je pose 300 euros directement en or, juste pour passer d'un niveau immédiatement. C'est quand même abusé. Donc, on va regarder si j'ai pas d'autres moyens en achetant, par exemple, des ressources. On va aller sur les ressources. Les ressources, il me manque combien? Je n'ai pas vraiment regardé. Hop, il me manque, c'est simple, il me manque un peu moins d'un million, 700 000 en nourriture. Il me manque énormément. Il me manque 7 millions en pétrole et 2 millions en acier.
Donc du coup, il faut que je focus le pétrole surtout et l'acier. Donc on retourne sur les offres et regardons ce qu'on a en offre mensuelle, pack du bénéfice. On va prendre les packs standards. Il me faut du pétrole, donc on retourne sur les ressources, et de l'acier. Là, par exemple, j'ai combien d'acier? Il ne me dit pas combien j'ai d'acier, mais j'ai 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là, non, je vais retourner avant. J'en ai, hop là, 2, 4, 5, 10, 12. J'en ai 17, grosso modo, 17. On va faire un, on va enlever une unité à chaque fois. 14 x 2, 14 x 20 en gros. J'en aurai que 280 000. C'est pas énorme sur ce premier niveau. Alors, le deuxième pack, il va me donner aussi du pétrole. Et ça, il m'en faut des caisses de ouf. Mais il m'en donne 2, 4, 6, 8, 10. Hop là, il m'énerve à switcher comme ça. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il va m'en donner 16. Il va m'en donner que 1,6 million. Il me faudrait pas mal de ces packs-là. Qu'est-ce que tu as d'autre comme ressources? Est-ce que tu as que... Ah, il n'y a que deux packs. Hein. Donc, sur ces packs-là, peut-être je peux trouver mieux. Hop là, retournons dans les autres offres. On va voir si j'ai une meilleure offre ici. En ressources du moins. Est-ce que tu n'aurais pas une offre qui me donne que du pétrole ou que de l'or? De l'or, non, c'est pas intéressant. Donne-moi que du pétrole, que celui-là, il est intéressant. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Non, celui-là n'est pas intéressant. Donc, on va aller de l'autre côté. Hein. On va aller sur les offres de ressources et on va tâcher, voir combien ça va me coûter de monter donc sur les ressources. En même temps, je vais prendre de l'or. Ça fait toujours plaisir. Donc, on va monter celle-là. Allez, oh, il y en a d'autres. Attendez, on a le niveau 2. Mais pour aller au niveau 2, évidemment, il faut prendre le niveau 1. Donc, on va prendre celle-là. Allez, achète-le. Hop là, on l'achète. Ensuite, on va passer le niveau 2 où j'en ai un petit peu plus. On l'achète. Et on va passer le niveau 3 et on va finir avec le niveau 4. Et est-ce que là, je suis bon déjà? Donc, je vais quand même claquer seulement 3000 pièces à OZ. Donc déjà, en stock, on est pas mal. Alors, est-ce que au niveau de la nourriture, je suis bon? Normalement, au niveau de la nourriture, je suis bon. Est-ce que au niveau, je suis bon aussi au niveau du pétrole? Maintenant, il me manque que l'acier. Il faut que j'aille chercher un peu moins de 2 millions en acier. On retourne sur les offres de ressources. Donc, c'est peut-être le plus rentable sur ceux qui se posent la question. On va aller sur l'acier. Je pense que 2 niveaux d'acier. Oh non, 2 niveaux ne sera pas suffisant. Ça va être 3 niveaux d'acier normalement. Et là, ça m'a coûté beaucoup plus cher depuis le départ. Vous avez vu, j'étais à 32 000. J'ai déjà claqué presque 7 000 pièces à OZ juste pour les ressources et juste pour upgrader au niveau 19. Je suis bon. On ne parle pas du niveau 1. Voilà, là, ça me coûte plus que 17 000 maintenant en or si je veux accélérer. Donc, j'ai quand même déjà fait une économie. J'ai dû dépenser autour des 50 euros en équivalent pièce à OZ et j'ai quand même fait une économie de près de 100 euros. Donc, acheter l'or, c'était clairement pas rentable. Je demande l'aide. Je pourrais attendre l'aide, bien évidemment, ou je peux finir immédiatement. Maintenant, est-ce que je claque 17 000 d'or pour tout upgrader tout de suite? C'est ça la bonne question. Est-ce que je les claque parce que je les ai en stock? Évidemment, oui, je les claque parce que je les ai en stock. Et on va voir pour le niveau d'après. Maintenant, on est bien au niveau attendu. Maintenant, il faut que je passe mon mur au niveau 19. Vous avez vu quand même, avec 300 euros, j'arriverai peut-être pas, même sûrement pas, à atteindre ce niveau. Il me faut plus de pétrole. Est-ce que j'en ai en stock suffisamment? Évidemment, oui. Est-ce que j'ai suffisamment d'acier en stock? Hop là, il me dit non. Il me manque combien en acier? Il ne me manque pas grand-chose en acier. Du coup, je vais retourner dans l'offre et je vais en avoir besoin. Donc, autant en acheter encore. Et là, je pose 3000. Ça va me faire un stock hein, parce que je vais en avoir besoin de toute façon. Et je vais poser un stock de ça aussi parce qu'il me le faut. J'ai déjà claqué près de 11 000 pièces à OZ déjà. Donc, on est à plus de 100 euros. Et je peux upper le mur. Hop là. Et on claque. Tac. On est bon à présent. Pour le moment, toujours plus rentable d'acheter les ressources. Il faut que j'accélère, il me faut 8700, je les ai en stock grâce au pack que j'ai acheté. Et hop là, mon mur est 19. Première condition, terminée. On passe à la deuxième condition, l'académie. Il faut que je la passe niveau 19. Là, ça va faire mal. Donc, je suis 13, 14. Ça va coûter très cher là. Là, ça va coûter très très cher. Est-ce que si je fais améliorer, ça coûte moins cher après? Je n'ai jamais fait attention. Est-ce que si je claque les ressources? Non, c'est le même prix. 14, on est niveau 14 seulement. Hop là, je la passe niveau 15. Je la passe, je n'ai pas de quoi la passer niveau 16 à présent. Est-ce qu'il ne serait pas plus rentable d'acheter des boosts? Peut-être, ça serait plus rentable d'acheter des boosts que directement de l'or.
Comme je vais avoir besoin de ressources, bah écoutez, je vais poser 12 000 d'or en achetant un méga pack. Et de l'autre côté, je vais acheter le méga pack aussi. C'est toujours rentable. J'ai claqué 20 000 pièces AOZ déjà. C'est déjà pas mal. 20 000 pièces AOZ, hein, c'est l'équivalent, vous avez vu, hein, de 200 euros si vous êtes sur iDevice. Il me faut encore 4 niveaux. Là, pour le coup, sans les ressources, hein, il me faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup hein, de pièces. Il faudrait 83 000. Donc, j'utilise les stocks que je viens d'acheter. Hop là. Et je n'ai pas fini. J'aurais pu faire ça directement. J'utilise le dernier stock et je n'ai toujours pas assez. Il me faudrait 18 000. Ah, parce qu'il y a l'académie. Je dis une bêtise. J'ai n'importe quoi. J'étais sur l'hôtel de ville. N'importe quoi. Il faut toujours monter l'académie. Et d'ailleurs, regardez, je pourrais... C'est intéressant. Ah non, je peux pas cliquer. J'ai eu peur pendant. J'ai cru qu'il allait automatiquement tout upgrader. Donc, on continue. Je monte. Je dois plus avoir beaucoup d'or. Hein. Est-ce que je peux encore monter? Je monte et j'ai fini. Mais il me reste plus que 2300 d'or. Voilà, je suis au niveau 19. Au palier, il me reste 12 000 pièces AOZ. Est-ce que je peux passer le niveau 20? Je suis bon en tout, sauf en acier, du coup. Je reclaque de l'acier, je suis bon en acier, je peux lancer l'amélioration, il me faut 5 jours, 12 heures. Il me faudrait 20 000 d'or et je pourrais passer. Alors, en accélérateur, est-ce qu'il y a des accélérateurs là-bas? Construction. En construction, il me faut 5 jours. Donc, ça me ferait peut-être beaucoup d'accélérateurs à claquer. Est-ce que j'investis sur les packs de construction pour accélérer plutôt que de l'or? Là, je ne sais pas dire. Donnez-moi votre avis. Moi, je ne sais pas dire lequel est le plus rentable. Est-ce que si j'arrive à un niveau 5, 8 heures, ça fait 1 jour, 2 jours, même plus que ça. On est déjà à pas mal de jours là sur les constructions. Qu'est-ce que c'est que ça? Accélération de recherche? Non, accélération de recrutement? Non, moi, je veux que des accélérateurs de construction. Et il y a un peu de tout là. Hein. Donc, il me faudrait vraiment que des accélérateurs de construction. Choix 1, je claque tout. J'ai de l'or, des accélérateurs et un peu de tout. Choix 2, j'achète que des ressources. Je vais prendre le choix numéro 2. Si je claque 10 000, j'ai 20 000 et j'aurai de l'acier à plus quoi savoir en foutre. Donc, je vais claquer 10 000 sur l'acier. L'acier, c'est vraiment la ressource où je galère le plus. On remarque, le pétrole, c'était celui qu'il m'a fallu le plus. Ce n'était pas l'acier là. Et j'aurai 10 000. Est-ce que je peux me permettre d'avoir deux niveaux? Non, parce que celui d'après, il est trop haut. Je vais acheter de l'acier. J'aurai plus à me soucier de l'acier. Donc, on va faire ça. J'achète l'acier. Donc, j'ai claqué 10 000. Hop là, et cette fois, je vais accélérer et claquer les 20 000 qui restent. Et voilà, mon hôtel de ville est niveau 5. J'ai claqué 30 000 points AOZ. Est-ce qu'il y avait une meilleure méthode selon vous? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, vous le savez maintenant, pour passer en accélérant tout, et si vous n'avez pas suffisamment de ressources, du niveau 18 au niveau 20 en haul, si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous coûtera 30 000 pièces AOZ si vous n'êtes pas patient et que vous voulez tout de suite. Les amis, au moins maintenant, vous le savez, c'est assez cher. C'est pour ça, n'hésitez pas à farmer, n'hésitez pas à rentrer dans les grosses alliances pour que ça vous aide. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur AOZ.